Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Art Journal à l'occasion de cette pleine lune du 31 août 2023. Donc mon intention pour toi est de t'accompagner à créer un espace créatif pour te connecter à cette lunaison et je t'invite donc à prendre un journal de Art Journal comme celui-ci avec des pages épaisses et de te laisser inspirer par cette pleine lune. Donc, comme c'est une pleine lune qui se forme dans le signe des poissons et que c'est la deuxième du mois de août, on l'appelle la lune bleue. Et pour cette page, j'ai envie de utiliser déjà un fond avec la gesso, d'utiliser aussi une pâte à relief comme celle-ci. Et pour cela, il va me falloir un pochoir. Donc là, j'utilise un pochoir qui est en fait des restes de découpe de la caméo. Je vais utiliser aussi j'ai bien envie d'utiliser encore des feuilles d'or comme cela, qui sont de sauterelle grainée, je les ai là. Et des tampons. Je vais utiliser des tampons lettres pour mettre de la profondeur à la page, avec bien sûr de l'encre. J'ai bien envie d'utiliser des lettres comme ça, des stickers lettres. On verra comment on les fait. Et bien sûr de l'aquarelle. Donc du coup, comme la lune, la couleur pour cette lunaison, c'est le bleu turquoise. Voilà, c'est cette couleur là. Je pense que je vais faire un dégradé sur le bleu et je vais utiliser une touche de vert comme ça pour mettre un petit peu de piment, enfin de peps un petit peu dans la page. Donc moi, ce que j'aime, c'est que la page se monte au fur et à mesure. Donc nous allons la monter ensemble au fur et à mesure. Alors avant de commencer, je t'invite à liker la vidéo si ce genre de contenu te plaît, à bien évidemment t'abonner à la chaîne pour ne rien rater et me permettre de continuer ces vidéos. Et sans plus attendre, commençons. Alors je commence par étaler la gesso pour faire un fond sur toute la page. Et donc c'est le moment pour moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, eh bien moi c'est Marie et j'aime mettre de la beauté et de la magie dans ce monde. Et dans ces vidéos, je te parle de mes créations et de mon processus créatif. Donc comme je disais tout à l'heure, la pleine lune se forme dans le signe des poissons et elle nous invite à nous connecter à la médecine des poissons. Et donc une fois que j'ai terminé de mettre le fond, il faut bien attendre que ça sèche et j'utilise la pâte à relief que j'étale ainsi avec un pochoir qui est en fait un reste de mes découpes à la caméo. Et donc du coup, qu'est-ce que la médecine des poissons? Eh bien la médecine des poissons, déjà il faut le prendre au sens amérindien du terme, c'est-à-dire c'est la puissance spirituelle des poissons. Et donc le signe des poissons, c'est le dernier signe du zodiaque. Il clôture donc la roue des zodiaques et il est un signe d'eau qui nous parle du coup d'émotion, d'intuition, avec l'idée d'une fusion avec l'univers. C'est le grand tout, c'est vraiment, il clôture le cycle. Et donc du coup, avec cette pleine lune, nous sommes invités à purifier nos énergies stagnantes pour retrouver cette fluidité dans nos rêves, mais aussi à nous relier du coup à nos émotions, notre sensibilité et à ouvrir la partie de notre imagination et réveiller l'artiste qui sommeille en nous. J'adore. Donc voilà, j'ai fini avec la pâte à relief et donc du coup je vais utiliser mes aquarelles. Et pour cette page, je vais utiliser notamment la couleur turquoise comme couleur maîtresse.
turquoise, puisque cette pleine lune cette couleur-là est pour cette pleine lune-là. Couleur qui évoque du coup les voyages, l'évasion, les rêves. Elle nous envoie le message d'exprimer nos besoins et nos ressentis pour être en harmonie avec notre environnement. Donc voilà, je vous invite à méditer sur cette couleur turquoise. Je vais du coup faire aussi un léger dégradé de bleu et je vais mettre du vert pour faire du peps un petit peu. Voilà, un vert, parce que c'est vrai que le bleu de turquoise, il peut des fois aller sur le vert. Et donc du coup, j'utilise la technique comme ça pour tapoter sur le pinceau pour pouvoir faire des petites gouttelettes sur toute la feuille. Alors c'est vrai que c'est une technique que j'adore. Donc je l'utilise partout. Ça fait vraiment un peu un jet comme ça du peps en fait dans la page. Voilà, j'attends que tout sèche bien. Et ensuite, nous allons passer à l'étape de la feuille d'or. Donc du coup, pour appliquer la feuille d'or, d'abord, la première étape est de mettre de la colle un petit peu partout, en forme. Et ensuite, tu peux mettre des feuilles d'or comme ça sur la colle. Il est bien nécessaire d'appuyer bien pour que la feuille d'or tienne bien à la colle. Donc voilà, c'est pas grave s'il y a du surplus, hein, c'est vraiment pas grave. Au contraire, il nous faut tout ce surplus-là, on en a besoin. Donc bien tapoter pour que bien la feuille adhère à la colle. Donc voilà, et pas oublier où on a mis la colle, parce que ça c'était un petit peu mon petit problème. Voilà, comme ceci. Donc ensuite, on attend bien que la colle sèche et avec un petit pinceau, on vient retirer le surplus des feuilles d'or pour laisser apparaître juste les endroits où la feuille d'or tient avec la colle. Voilà. Et à propos d'or, eh bien, l'occasion de cette pleine lune, c'est aussi de faire un ou plusieurs vœux, comme tu veux. Et donc, elle nous appelle à faire des vœux autour de cette harmonisation, en lien avec le lâcher-prise, les rêves, l'amour, l'amour absolu, le subtil ou l'invisible, en fonction de comment tu l'appelles, la spiritualité. Et ensuite, nous allons remercier la pleine lune pour l'abondance qu'elle nous apporte. Je peux t'inviter à écrire par exemple « Chère lune bleue, ce que mon cœur désire le plus au monde est de laisser dans notre vie, dans ma vie, des opportunités pour avancer dans la réalisation de mes rêves. Et toi, quel est ton vœu ? Si tu veux, tu peux me l'écrire en commentaire, je serai ravie de te lire. Et donc maintenant, pour terminer un petit peu cette page, je mets avec des encres et des tampons un petit fond. Donc c'est pour ça que j'utilise des numéros et que j'utilise des tampons écriture. Pour un petit peu mettre du relief dans cette page. Et ensuite, je vais placer quelques éléments issus de mes des découpages que j'ai. Voilà, vous faites vraiment avec. Vous pouvez faire vraiment avec ce que tu as. Et ensuite, avec les lettres, je vais marquer émotion. Alors moi, j'utilise les lettres que j'ai. Je les ai mis en doré. Comme ça, ces lettres-là. Et comme il y a plusieurs formats de lettres, j'ai mis... vraiment, je me suis amusée avec les différents formats. C'est pour ça qu'on a un petit O, un grand M, un moyen E. Et j'aime beaucoup cette explosion de couleurs, d'émotions,
voilà, de peps. Donc je t'invite vraiment à faire ça et à te laisser guider par la couleur bleu turquoise et parce que tu as envie de créer. Et ensuite, j'ai tout collé, j'ai rajouté quelques petites étiquettes et j'ai écrit la date pour bien se rappeler quand est-ce qu'on a fait cette page. Et ensuite, je vous la montre. J'espère que cette vidéo créative t'aura plu et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.